Hey, salut tout le monde, c'est Grapha et Gocraft et je suis en compagnie de Xavtopper. Salut Xav. Donc c'est parti pour un nouvel épisode de Pokémon Omicron. Bon, j'avais dit que j'allais faire pendant que je suis en vacances. Sauf que j'ai voulu en faire un deuxième avec un de mes potes. Donc ce sera Xavtopper. Avec le premier épisode qui a été fait avec Yannis Ekei. J'espère que j'ai encore une fois bien dit. Donc merci à toi, hein, je refais de la pub. Entre deux, je me suis un tout petit peu entraîné. J'étais totalement déçu parce que lors de l'entraînement que j'ai fait, en fait, j'ai croisé Deoxys. J'ai essayé de l'attraper et aucune de mes Pokéball a fonctionné. Donc je n'ai plus du tout de Pokéball. Déjà donc... En fait, c'est ce qu'on appelle Pokémon Random. Donc en gros, tu trouves n'importe quoi. Donc là, j'ai à peine commencé l'aventure. Regarde avec quel Pokémon j'ai. C'était quoi les starters ? Pour ma part, c'était un Linéon, c'était le poisson à grosses épines. J'ai oublié le nom. Et j'ai oublié le dernier. C'était qui ? C'était un des oiseaux psy de type vol. Enfin, c'est de la cinquième génération. Allez, pouf, prends-toi les câbles. Ah là là. Bon, de toute façon, on en trouvera des... Ton frère, c'est un putain d'oiseau. Ah oui, je t'ai pas montré mon équipe. Mais n'oublie pas la capacité spéciale de cet oiseau, hein. Vas-y. Si ses PV descendent à moitié, il en réapparaît pour ses attaques. Comment ça, ses attaques de diminuer de moitié? Ouais. Ah, je savais pas ça. Attendez. C'est pour avoir ses échappes. Donc, voilà mon équipe. Donc, c'est Prestige, Dark Bloid et Yanis, qui est un pauvre petit Linéon, qui a ramassé quelque chose d'ailleurs. Merde, je me suis trompé. Il s'est fait que je le fasse. J'ai pas eu le temps de savoir c'était quoi. C'est ça, gaffe, va sur ton frère. Ah, d'accord, c'est une carte sortie. Voilà. Donc, au moment où je tourne ce deuxième épisode, Prestige a fait sa partie, je crois qu'il a fait deux épisodes à peu près. Il a pas énormément avancé, j'ai pas trop regardé ce qu'il faisait, mais j'ai commenté de temps en temps. Et j'étais dégoûté de savoir que Prestige est tombé sur un starter de malade mental, qui était en fait un... Comment ça s'appelle? Un... Terra... Enfin, un légendaire, quoi. Dans ses starters. Par contre, il s'est quand même fait péter avec le premier Pokémon, pour son premier combat. Donc, et je m'aperçois aussi qu'en mode random, Pokémon, c'est assez sympa, mais c'est assez bordélique quand même, parce qu'on peut retrouver n'importe quel Pokémon, mais je crois même tu que peux j'ai... Tu peux pas créer une équipe, vraiment, parce que tu ne sais pas quels Pokémon vont spawn dans cette région. C'est ça. Et surtout que rencontrer un Magikarp dans l'herbe, on peut se poser des questions, quoi. Ouais. J'imagine voir la pêche. Ah mince, charme. Oh, c'est pas grave. Allez hop. Wing attack. Critical. Ce qui est amusant, tu vois, c'est de voir des Pokémon aussi puissants que eux au niveau 11-10. Pop. Donc vas-y, c'est quoi ton Pokémon préféré? Bonne question. Quel type d'abord? En grande partie, quel type? La nouvelle. J'aime bien plante, j'aime bien feu.
Bah, je te dirais que mon Pokémon préféré, mais c'est sûr que ça va être dur pour toi d'obtenir toutes les attaques qu'il peut obtenir, c'est Conkeldurr. Conkeldurr. Ah oui, c'est vrai, toi tu prends les Pokémon en anglais. Oh, punaise. C'est bah, ton jeu est anglais de toute façon, tu as fait avec. Hein. Ouais, je fais avec, mais que ça, je connais son nom, c'est Cadoiseau. Mais dire le nom à partir du nom anglais. On va voir Darkblood. Alors, Darkblood, je préviens, j'ai un peu de mal à jouer avec lui. Ses attaques, je les trouve pas tétées pour le moment. À part son attaque de type spectre, mais elle est pas forcément terrible non plus. Alors, ça, c'est Ah Océatueur. ben, c'est des attaques qui n'ont pas beaucoup de d'attaque points. C'est ça. Alors, je sais pas si vous vous souvenez. Alors, Osley, il a sur son crâne, il a sur son crâne donc le crâne de sa mère, je crois. C'est ça? Je crois que c'est Ouais. ça sa définition. C'est assez hardcore, quoi. J'avais aussi rencontré un tout à fait. J'étais dégoûté de pas pouvoir l'attraper. Et j'ai rencontré aussi avec grand étonnement un nouveau Pokémon légendaire de la version X et Y. Qui n'a pas encore eu la... On n'a pas encore eu la possibilité de le voir, quoi. Et c'est Volcano, je crois. Volcaco, ou je sais plus. Un Pokémon de type Ouais, eau et feu. Alors, c'est un Pokémon que j'aurais bien voulu attraper. Mais Déoxys m'a viré toutes mes Pokéballs, quoi. Hop, donc c'est parti. Ah, et j'ai aussi fait un combat duo là-dedans. Donc on peut trouver, apparemment il y a possibilité d'avoir des Pokémon. Ouais, vas-y le Tentacool dans l'herbe. Tu le vois? je... Ouais, ben oui. Bon bah c'est fini. Donc après, je sais pas, t'as joué à quelle version Pokémon? Bah, présentement j'ai Pearl. Attends, je vais dire ça. Pearl, j'ai blanc. Blanc 2. Comme un blanc d'œuf. Blanc 2. Je demande merde. Blanc 2, jeune 2. Ouais. Bref, et Pokémon Y. Moi aussi j'ai Y. Donc après, est-ce que t'as joué aux anciennes versions? Nope. T'as pas joué au jeu premier jeu Pokémon version jaune, je crois. Enfin, c'est pas le premier, c'est le deux, c'est le troisième, le deuxième. C'était rouge et bleu les premières. Il y avait Verfeuille aussi. Un vieux Ouais, Verfeuille. mais il est venu et il est venu par après. Ah d'accord. Eh vas-y pour un cré Fadé. Problème de mon côté. Hop. Quand je plantais. Non non non, c'est pas le jeu qui a planté. Juste que mon ordinateur veut se mettre à jour. Donc quand tu croises un Pokémon légendaire et que t'es obligé de le péter, t'es dégoûté. Mais bon, tu peux pas y faire autre chose. Hop. C'est sûr qu'au début, c'est dur d'obtenir des Pokéballs. Bah c'est surtout que même si t'as des Pokémon puissants ou quoi que ce soit. Celebi, allez vas-y. Et Rally, hop, Celebi. Ouais, donc il parle de Celebi, ouais, c'est bien beau. Autre. Dans l'aviron, je sais pas. Allez, dans la gym. Alors, appelez gym le leader. Ouf, Un challenge, ouf, le challenge de la gym le leader. Donc, à mon avis, c'est un. Ok. ouf, ton anglais est vraiment nul à chier. Wow! Ah ouais, d'accord. J'ai fait au pif et je me trouve contre un combat contre le Junkum. Oh, pop, 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 pop. Merci d'avoir ce Pokémon-là en C'est parce premier. qu'elle est nulle. Il est nul. One shot. Ses stats sont nuls. C'est vrai que d'après ce que j'ai vu, les stats sont pas terribles. Par contre, s'il a le simple fait quand il se prend. Alors, je sais plus, je crois que c'est. Paratonnerre, il augmente sa vitesse grâce à une attaque électrique. Ouais, mais qui va lui balancer une attaque électrique? Bah, si t'es en duo, tu prends les deux en mode paratonnerre et tu fais des attaques adjacentes, tu attaques tonnerre sur ton propre Pokémon.
Même ça change pas que tu peux te faire buter par l'autre en même temps que tu fais ça. Pas faux. Bon, la dernière Pokémon sur cette zone. Allez, 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 allez. Avant de combattre le prochain joueur. Eh, vas-y pour le Chimpanfeu. Ouais, c'est vraiment random. Ouais, c'est random. J'ai attrapé, je crois, j'avais attrapé les deux premiers Pokémon que j'ai repérés. Et là, je peux plus rien attraper. Je suis un peu... Ah, si, j'ai des Pokéballs. C'est-à-dire que je pourrais réussir à rattraper un Pokémon. Mais ce serait. Oh! Oh! Ah, j'hésite. Ah, Non. j'hésite. Non, ta gueule. T'es pas sérieux. Bah, tu sais que son évolution, Ah. c'est l'un de mes Pokémon les plus préf... mais un de mes Pokémon préférés. Minobélus. Ouais, mais ça va te prendre du temps avant d'obtenir le truc qu'il te faut. De toute façon, je l'ai one shot. On va garder, on va garder. Normal, t'as vu la différence de vie et de niveau? Oh, Xav. Ah, Non, non, on va essayer quand même d'attraper un Pokémon pour cet épisode. On le nommera justement Xav, donc si je trouve un Pokémon intéressant. Et qu'on arrive à l'attraper surtout. Y a personne qui combat là? Flying, donc en gros apparemment d'après ce que j'ai pu comprendre. fighting, combat. Combat? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit flying. C'est pas grave. Ballon. C'est pas grave. C'est l'anglais à la graffa. Alors attends, de type combat, ça veut dire que mon Pokémon. Mais je suis sûr que ça va être random quand même. Ouais, ça doit être random, je pense. Bon, on va entraîner un peu Dark Blood quand même. Si Alors, regardez-moi celui-là. Alors, what the fuck? Qui a dessiné ça? Mais c'est pas mal. Quatrième, cinquième, sixième génération ne sont pas supposés se traîner derrière toi, donc ils ont fallu qu'ils les dessinent. Bah surtout que les effets ou que ça traîne derrière nous, c'est quand même pour ce type de graphisme, c'est la première fois qu'on voit ça. Hein. Il y avait Pikachu qui nous suivait là, ok. Après, c'était la version Gold Silver et ainsi de suite. Wow! Tu veux que j'essaie de l'attraper? Non. J'ai envie. C'est un Pokémon que j'apprécie. Tu vas le tuer, hein, même pas. Il augmente son attaque spé. Il est transformé en type ténèbres, tu te fous de ma gueule. Pack. Échappe. Super Ball! Je sais pas. Amuse-toi, c'est ta partie, je te Non, dirai non, quoi je vais pas pour le faire. prendre parce que je préfère le garder pour un Pokémon légendaire si je recroise un. Parce que le coup de n'en avoir croisé en tout trois Pokémon légendaires et pas pouvoir les attraper, ça m'a énervé un peu. Bah, t'as un écho au début. Bon, tant pis. Ah! À mon avis, le taux de capture, il va vraiment être merdique. Ah, je l'ai! Oh! Youpi! Coup de chat. Donc voilà. Donc voilà le Pokémon qui sera appelé Exavtopper. Non. Si. Non. Ta gueule, je veux pas ce Pokémon. Tu veux pas ce Pokémon? Non. Oh, je vais l'appeler comment alors? Bah, Wellan. Il va m'exploser la figure une fois qu'il va voir ça. Enfin, s'il regarde la série.
Donc là, je vais pas pouvoir attraper. Ok, le démanta dans les herbes. Enfin, c'est un Pokémon qui vole de base, alors. Hop. Oh bah dis donc. Bon, bien sûr, j'entraînerai un peu mes Poké. Oh, l'hypnomade qui est comme ça dehors. De toute façon, ce sera toujours dans ce type de situation où, d'une fois que tu as réussi à attraper un Pokémon qui est quand même assez rare, enfin qui est assez beau quand même, que tu vas t'en rendre compte que tu vas recroiser un Pokémon encore plus rare juste après, vas-y! Ça te teste niveau 4. Ah là 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 là! Balance lui directement. Ah non, c'est vrai, t'en as plus. Ah oh, putain, j'aurais très bien pu l'attraper en plus. Ah! Rage! Rage quitte! Rage quitte. Et au moment où je dis ça, tu vois. Putain, je peux même pas parler de ce Pokémon. Même tu lui Rafflusia. fais même pas face. Rafflusia. Donc t'as toujours pas dit ton Pokémon préféré, hein. C'est... Dans la première génération, c'est lequel? À peu près. Ouf, attends, moi je vais aller regarder une petite liste là parce que de génération en génération, je connais pas tous. Allez, ammonite. C'est l'ammonite tue mouche. Contre les loups-garous. Lololol. Bon, pour ceux qui ont repéré la référence, de mon côté, c'est de Teen Wolf. C'est peut-être dans d'autres trucs, mais. C'est la référence Teen Wolf. Alors, je sais pas pourquoi, je vais cliquer là. Non, c'est bon. Ah, je crois qu'il veut nous apprendre truc de tête là. Bah, alors je sais pas pourquoi je suis passé. Alors t'as un hypnomade juste à côté, je me tape un hypnomade. Allez hop. Fini. Donc j'espère en même temps que la série du côté de Prestige vous appréciez. Hypno, The Hypno te regarde. Someone. Je crois que comme première série sur ma chaîne, ça va être ça, moi aussi. Un Pokémon? Ouais. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais, ça prend toujours un début, quoi. Ouais. Ah, merci. Si tu veux de l'aide, par exemple, ce que tu vas voir dans un sens le premier épisode, il devrait sortir. Bon, au moment où je tourne, l'épisode de Pokémon doit sortir normalement demain. La suite sortira certainement dans plus longtemps que ça. Mais comme demain c'est vendredi, et qu'après je. Ah oui, c'est vrai, merde, les petites attaques de petits spectres ne fonctionnent pas contre lui. Pourquoi je reclique sur ça? Hein? Parce que t'es Eh oh! con. Allez, paf dans ta fille sur ta vidéo. Donc cette vidéo, la première vidéo devrait sortir justement pour moi demain, donc vendredi, parce que je pars en vacances, donc enfin ça a fait problème de dimension là, c'est pas grave. Mais au moins j'ai du contenu. Pareil pour les vacances du mois d'août, sera aussi un peu comme ça. Tarinorm. Alors Tarinorm de type roche. Roche et quoi? J'ai plus mon Pokédex avec moi. Pourquoi je continue d'attaquer avec cette attaque? J'appuie trop sur espace. Roche est assis, je crois, en fait, hein. Je sais plus. Donc ça y est, t'as trouvé ton Pokémon préféré? Ouais. Alors, c'est... Salamence. Donc en gros c'est Salamèche, en bon français.
Non, Salamence. Ah, c'est da... Ah oui, alors ça c'est Dratak. Salamence, c'est Dratak. C'est le l'évolution de Rabi. Oh, point ombre. Oh, ça c'est bon. Oh, ça c'est bon. Oh là là, point ombre, ça c'est trop bon. La première révolution, c'est Bagoun. Je crois que Salamence, je crois que c'est le seul nom anglais que je connais en niveau Pokémon. Salamence, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Allez, point Je vais ombre! te le chercher. Je vais te le C'est aussi un Pokémon de type chercher. normal. Shit! Ah, tu loupes aussi ton attaque. Hein. T'es dégoûté. Hein. Punch! Donc voilà, alors mon équipe sera constituée pour le moment de ces Pokémon-là, mais j'espère plus tard faire une équipe de Pokémon de type Psy, Spectre et Ténèbres. Et peut-être Fée, hein, s'il y a beaucoup de Pokémon de type Fée dedans. Donc j'avance un peu dans l'histoire hein, quand même. Hop, 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 hop. Oh, une Sombre Ball. Ou Dusk, ouais, je crois que c'est ça. On va voir ça tout de suite. Et bien sûr, j'ai cliqué sur Pokémon. Ouais, une Sombre Ball. On va le garder pour plus tard. Ok, donc déjà on a l'arène ici. Alors comme ce sont des épisodes qui vont certainement durer 25 minutes à peu près. Ou sinon je peux m'arrêter là et puis continuer à faire le deuxième épisode. Ouais, je pense que je vais faire comme ça, voilà. Une petite séance où j'ai avancé un peu dans l'histoire. Donc je vais mettre fin à cette deuxième épisode. Donc merci Xaftoper d'être avec moi. Donc voilà, donc Comme toujours. il y aura la description de sa chaîne. Enfin. Oh putain, pourquoi je dis toujours description de sa chaîne? Il y aura le lien de sa chaîne dans la description, si j'y pense. Et puis voilà. Donc je vais peut-être m'entraîner un petit coup pour faire augmenter mon Porignon. Et puis on va combattre la reine au deuxième épisode. Ouais, alors déjà là ici c'est bloqué. On peut encore voir un petit coup. Un petit jardin. Une zone bloquée aussi. L'arène, une zone bloquée. Oh, t'as vu? Je sais pas si tu vois. L'effet d'ombre. Regarde. Ah ouais. Ah ouais, pas mal, pas mal. Ça doit être un mec qui doit être malade. Antidote. Je vais acheter une antidote pour lui, tiens. Ah ouais, c'est quand t'es sous la lampe que ça fait ça. Ah, c'est pas mal. On a très bien pu acheter des Pokémon, mais pour le moment, je vais attendre d'avoir un peu plus de d'argent. Moi je te dis, jette-le un stack de 10. Ouais, je sais ce que je fais habituellement. Tiens. Oh, merci. Et en plus, j'ai une Merci. nouvelle attaque. Alors, l'attaque acide, on verra plus tard. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à plus. Ah si, aussi, likez, commentez, aimez, abonnez-vous. Merci, bye!